Alors là, en fait, on est sorti depuis un petit moment des Geek Days, mais j'ai oublié de vous filmer l'introduction de ce vlog. Donc du coup, je vous la fais maintenant. C'est pour ça que j'ai un peu une tronche vraiment fatiguée. Et donc j'étais avec mon copain, comme d'habitude, que vous voyez très souvent dans les vlogs parce que bah, il est toujours avec moi quand je fais des sorties. Toujours là pour faire la mule, je précise. Bah ouais, j'ai toujours besoin de quelqu'un pour porter mon sac, donc voilà. Et de vous Et l'avez. donc là, je vous ai filmé pas mal de petites choses quand même pendant les Geek Days, donc à Lille, donc c'était le 26 mai. Mais de toute façon, bah, ce sera écrit dans le titre, je pense. Et puis, bah, j'espère que ça vous fera plaisir. Donc là, on est dans le parking de Ralil parce que je voulais faire un petit tour à Primark, à Nyx et à Emma. D'ailleurs, j'ai fait des petits achats, donc restez connectés parce qu'il y aura sûrement un haul qui va arriver. Chasser la youtubeuse beauté, elle revient vite. Ouais, c'est ça en fait. Et donc là, enfin, vous allez avoir un petit moment quand même parce que là aujourd'hui, donc on est le 26, donc vous aurez ce vlog donc le 27 si tout va bien, si j'arrive à faire le montage, etc. La semaine prochaine, donc je crois qu'on sera le 3 juin, vous aurez ma vidéo projet que je vous ai parlé, que ça fait un petit moment que je filme et qui me tient à cœur, donc j'espère que vous serez là pour la voir, la partager, etc. Et donc je pense que le haul arrivera la fois d'après, donc ce sera déjà mi-juin, donc je suis désolée. Mais je crois que pendant cet été, les vacances, je vais faire comme j'ai fait l'été dernier, c'est-à-dire je vais faire deux vidéos par semaine parce que ça avait l'air de vous plaire quand je fais ça pendant les Eh ben, vacances. ça charbonne, hein. Ouais, bah ouais, mais pendant les vacances j'ai le temps de filmer tandis que pendant les cours j'ai pas le C'est temps. pas faux. Donc je pense que si je fais ça, dites-moi dans les commentaires ça vous intéresse d'avoir deux vidéos par semaine. Si je fais ça, je pense que je posterai le mercredi et le dimanche. Je pense que c'est pas mal comme créneau horaire. Et puis bah voilà, donc là je pense que je vous filmerai tout à l'heure quand on sera parti manger parce que ce soir on a un concert. Donc c'est où déjà? Au Au Midland? Midland, Au à Midland, Lille. à Lille, voilà. Donc bah, je vous ferai un petit. Enfin, je vous filmerai un petit peu tout ça pour que vous voyez un petit peu bah, ce qu'on fait en général. Parce que bah, les vlogs que des conventions, je trouve que c'est pas terrible. Tant que là, ça fait un vlog d'une Puis on journée. tourne un peu autour du pot aussi avec les conventions, je veux dire, Ouais, c'est un peu toujours la même chose. Donc bon. voilà, enfin, à part que là, petite subtilité, cette année, je me suis enfin décidé à faire une activité extra. Ah oui, il faudra que je vous le filme parce qu'il a joué à Tekken 7 avec. Caillou. Caillou, je sais plus quoi là. Caillou Police, Caillou mais Police. ouais, donc mannequin et pro-playeuse de Street Fighter et de Tekken au Japon, voire Voilà. même mondialement connu, quoi. Voilà, il y avait aussi Kayane, moi je les connais pas trop, je connais que deux noms grâce à lui. Et du coup on a attendu quand même 1 heure et demie pour qu'il arrive à jouer avec Kayo, donc je vous montrerai le petit extrait vidéo que j'ai fait. Enfin je pense pas que je vous mettrai tout parce Mais que pas ça dure tout, un petit. ouais. Enfin ça dure au moins 2 minutes, donc je vais pas vous mettre 2 minutes de lui en Mais train de au jouer moins la là. fin. Mais je mettrai au moins la fin. Ouais, la fin c'est le meilleur moment. Donc voilà, j'espère que ce vlog vous intéressera. Et puis ben je vous laisse avec les images des Geek Days. Et puis on se retrouve juste après avec la fin de la journée. Bisous.
retrouve aujourd'hui, donc on est le 27. Donc normalement, si tout va bien avec le montage, etc., vous aurez la vidéo aujourd'hui, j'espère. Donc voilà, c'est juste pour vous faire un petit bilan du vlog de la journée d'hier. Et en fait, bah voilà, faites pas gaffe déjà à ma tête qui est démaquillée, etc. Enfin franchement, c'est juste pas possible. Et donc c'était pour vous montrer le seul truc que j'ai acheté en fait hier. Donc ce sont des baguettes de décoration comme ça, donc j'ai payé 6 €, je pense qu'on peut les trouver peut-être moins cher au Japon, mais c'est pas grave, c'est juste pour faire beau, je pense que pour genre dans mon appart prochainement, je mettrai ça, donc je pense que ça peut être cool. Alors elles se présentent comme ceci, j'espère que vous les verrez bien, ouais on les voit nickel, c'est génial, elles sont trop trop belles, et en plus là on a le petit repose baguette qui était fourni avec, donc c'était un beau petit kit, puis 6 € je trouve que c'était pas spécialement, enfin ça va, c'était pas non plus très très cher pour un prix de convention. Sachant qu'en plus cette année j'ai trouvé que c'était un peu abusé, même mon copain il a dit que c'était un peu abusé parce que les prix étaient vachement gonflés. Genre je sais pas si vous, enfin si vous vous rappelez, mais généralement en convention je ramène des petites limonades japonaises et généralement elles sont à 3 € ou 5 € les deux, donc ça vaut le coup un minimum. Au Japon, enfin ça vaut rien du tout. Donc bon voilà, on en a pas pris parce que là c'était 3 € pour une. Donc c'était carrément trop cher, et même si c'était les deux, c'était 6 € les deux, donc c'était trop cher. Franchement, c'était abusé, même tout ce qui est mochi, je sais pas si vous vous rappelez, je sais plus, on en avait ramené, je crois, de la Made in Asia. On les avait pas payés très très cher, et là, les boîtes étaient facilement entre 5 et 7 €, enfin c'était carrément trop trop cher. Donc on n'a rien acheté à part ces petites baguettes très mignonnes. Bon, il y en avait des moins chères, mais celle-ci, comme il y avait le petit repose baguette, je me suis dit que c'était beaucoup plus sympa, et comme j'avais acheté que ça, je pouvais me permettre d'acheter un petit kit comme ça. Donc voilà pour le bilan, bah j'espère que ça vous aura plu. Le salon il faisait super chaud parce que bah là en ce moment on a eu de la chance parce qu'il faisait bon, et franchement je pense que j'aurais dû prendre un éventail parce que c'était intenable la chaleur. Mais bon, ça reste une petite convention qui est assez sympa. L'entrée c'était 11 €, donc on va dire que ça va, même si enfin ça va, c'est pas très très cher, même si ça pourrait environner les 10 €. Je crois que l'année dernière c'était 10 €. Enfin, c'est un peu le prix de la Made in Asia, mais la Made in Asia vaut plus le coup, je trouve, parce que c'est plus grand. Et puis, je sais pas, l'ambiance elle est différente, même si celle-ci elle est quand même pas mal. Si vous connaissez pas, ben allez-y. Bon, après, je vous ai pas montré énormément de choses parce que, comme je vous disais hier, les conventions c'est toujours la même chose. Mais bon, c'est vrai que pour les personnes qui connaissent pas telle ou telle convention, bah c'est bien d'avoir quand même quelques petites images. Et puis voilà, je pense que j'ai fait un bon petit bilan. Hier soir, j'ai pas trop vlogué non plus. Je vous avais dit que je vloguerais, mais en fait, quand on est allé manger, il y avait pas mal de gens autour, donc j'ai pas trop osé. Et puis je vous ai quand même filmé genre 30 secondes je crois du concert où on est allé, pour que vous puissiez voir un petit peu, même si je pense pas que ce sera dans vos goûts. Mais bon voilà, donc ensuite je vous filmerai mon petit haul Primark. Vous voyez les deux sacs qui sont juste ici, et mon petit sac NYX avec donc un petit achat à NYX, un petit achat chez Emma, c'est rien de fou. Mais bon, je vous filmerai ça, je sais pas si je filmerai ça aujourd'hui parce que je crois que ma tête c'est pas possible et que vous allez vite partir si vous voyez ça, ou si je filmerai ça dans la semaine, vu que de toute façon le haul vous l'aurez d'ici 2 semaines, donc j'ai un peu le temps de le filmer et puis le temps de faire les try-on, tout ça. Enfin bref, voilà, je vous attends dans les commentaires, voir vos petites réactions, etc. N'hésitez pas à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir de voir vos petits pouces comme ça. Et puis bah, vous pouvez la partager, même si je sais pas s'il y a un grand intérêt à partager des vlogs. Et puis vous abonner si vous ne connaissez pas ma chaîne et que vous venez de tomber sur ma chaîne grâce à cette vidéo. Voilà, je vous fais plein de bisous et je vous remercie encore parce qu'on est bientôt 1100 sur la chaîne et c'est juste trop génial. Je crois que là, à l'heure où je poste la vidéo, on est à 1095, quelque chose comme ça. Donc ça fait juste trop plaisir, merci beaucoup. Allez, bisous et à la semaine prochaine. Bye bye.